bienvenue à l'hôtel des ventes de Nîmes. Maître Cuzel, maître champion et depuis peu maître Puyot qui a rejoint notre équipe. Nous avons préparé pour vous une petite exposition virtuelle afin de voir les lots principaux de notre prochaine vente du 27 novembre, si vous voulez me suivre. Voilà, je vais déjà vous proposer ce joli buste d'après Bouchardon. Nous avons d'autres objets, cette jolie pendule par exemple. Ensuite, je peux vous montrer cette belle chasse au tigre qui est signée de Suran, qui est un excellent aquarelliste. Un joli tableau de Natero, une belle vue côtière. Quelques jolies verreries de Dôme. Nous avons ici aussi à vous proposer un bel ensemble de Lalique en verrerie. Nous avons aussi cette belle gouache de Sonia Delaunay, qui est un projet pour des impressions de tissu. Nous avons bien sûr quelques bronzes, notamment aussi une lionne de Barry. Ici, cette superbe perle de candélabre de la maison Thomir à Paris, de Pierre-Philippe Thomir pour être précis. Ce sont des modèles datés vers 1815. Vous avez d'ailleurs en décoration des motifs qui sont encore très néoclassiques, voire retour d'Égypte, et qui se terminent en revanche par de jolis bras de lumière à col de cygne, qui sont plus vers le début de la restauration au niveau stylistique. Ils sont de très belles dimensions, ils font 75 cm de haut, c'est vraiment de très belles pièces. Vous avez ici par exemple la signature sur le bas de celui-ci. Pour finir, nous avons cette belle enseigne de magasin ou de cirque peut-être, en carton bouilli, de belles dimensions, représentant cet éléphant de cirque qui est très amusante, probablement d'époque milieu 20e. Après, pour le matin, nous pourrons vous proposer, comme à l'accoutumée, un lot de brocantes, objets de décoration d'hiver. Nous avons une très jolie collection de boules presse-papier. Nous avons quelques pièces de monnaie, médailles, pièces en or. Et pour clôturer la vente du matin, nous aurons cette superbe Renault 8 Gordini avec une estimation entre 4.